particulière sur Borderlands 2. Ça va être une vidéo courte, hein, je vous préviens. Je vais vous montrer un petit glitch, assez connu quand même. Mais c'est pour ceux qui me regardent, donc ils le connaissent. Donc, vous allez monter sur ce petit banc, voilà, que vous voyez là, et sauter sur le toit. Donc, c'est un peu dur au début. Là, vous allez y arriver, ensuite vous allez ici et sauter sur le toit. Donc voilà, vous montez ici, là, sur le côté, parce que là, c'est un peu plus dur. Donc, ce qui est un peu mieux, c'est un peu plus dur. Donc, c'était là, voilà, ici. Et là, il y a un petit rebord. Donc, vous sautez dessus. Vous allez dessus, au fond, et sauter sur le toit. Maintenant, vous voyez, ici, je tourne pas. Donc, il faut bien sauter entre les deux barres en fait, et plaquer vers la droite. Ce qui fait que vous allez tomber sur ce petit rebond là, et passer. Donc, après là, faites bien attention, parce que je ne vais pas se faire bloquer par le haut du toit, donc il faut se décliner. On va tester, vous faites un petit saut, et vous sautez sur le toit qui se trouve ici. Là en haut, vous allez avoir un mur invisible, vous le touchez. Et ici, vous aurez un petit trou. Vous passez normalement, pas besoin de ça. À passer dans les accroupissés. Et vous serez sous le parabole de ça. Donc, petit moment, petit peu coquin, quand même. Regardez. Donc, voilà. Là, on peut voir les machines à son. Il faut que vous vous expliquiez que vous pouvez faire ces glitches comme Sanctuary et une mine volante. Vous voyez, regardez, il y a une mine. C'est pour ça que si je saute, je meurs et je reviens. Donc là, vous ne pouvez pas passer parce que vous êtes bloqué. Vous voyez, il me rend libre aussi. Donc voilà. Après, c'est juste pour vous marrer. Une fois, il y avait un patron qui était en haut et j'ai tiré un petit peu, j'étais en dessous. Et il s'est mis à danser. Donc, normalement, c'est bon. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je ne peux pas vous voir, normalement. Donc, on aimait me regarder, mais il ne voyait que le sol. Il voyait juste mon outil. Donc, par contre, à partir de là, vous ne pouvez pas sortir. Non, je ne pense pas qu'on ne peut pas sortir, donc voilà, il reste de se suicider. Donc, suicide. Donc voilà, c'est un petit glitch sur Borderlands 2. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes un nouvel arrivant, à vous abonner. Et en attendant, je vous montre Starma. C'est une arme que Monty vous offre à partir d'un certain chiffre de pourboire que vous lui avez dit. Elle est une arme. Je ne sais pas. Par rapport à mes autres armes, je n'ai pas beaucoup de dégâts, mais j'ai trouvé très efficace quand même. Les armes pour nous prendre 100 dégâts, celle-là, elle faisait du 66, mais elle s'est déjà corrosée. Elle en fait beaucoup plus, donc je trouve ça assez bien. Elle fait 86,2 dégâts de corrosion, donc c'est pas mal. Et je vais vous laisser sur une personnage, c'est tout ce que j'ai. Donc je vous dis à plus.